C'est parti, Beaublanc qui va rugir une dernière fois cette saison. Il n'y aura pas de play-off pour le Limoges CSP, mais c'est pas grave, c'est déjà un ouf de soulagement d'avoir acquis le maintien il y a quelques semaines à l'extérieur. Mais attention à Bourg-en-Bresse qui chasse encore la troisième place, mais si, même si tout ne dépend pas des Bressons. Oh, la belle passe. Alexandre Chassang pour Lucas Beaufort, les deux premiers points de la partie. Cooper finalement s'est récupéré. La jolie passe de Lang pour Chassang qui peut aller bout de son effort après une bonne prise de contact sur Kukchela. Il s'est bien appuyé sur son vis-à-vis. Concernant les potentielles destinations à venir de nos Français annoncés très haut. Oh, Tyree Appleby! C'est pas sa spécialité, mais il peut en mettre. Bien renversé sur l'aile gauche avec Rizaché. Dribble, voilà, pour prendre son rythme, bien se placer. Ça court devant, Benitez n'a pas pu donner la passe. Ça court dans l'axe, là c'est donné. Passe parvient, Zachary Rizaché. Bourg-en-Bresse s'en sort pas si mal que ça, parce qu'à un moment donné, on s'est dit que ça allait être compliqué. Ici, celle-là aussi, Benitez qui prend l'axe. Massa, le superbe retour de Tyree Appleby, le ballon est sauvé. Il va pouvoir envoyer Oudane. Dunk ! Le 3-6, ça c'est cadeau ! Le CSP qui veut sortir la tête haute de cette saison. Oh, encore la deuxième couche, s'il vous plaît, avec Oudane ! Avec deux énormes dunks, quasiment coup sur coup. Elle vient égaliser à 17 partout alors qu'on est entré dans la dernière minute du premier carton. Nicolas Lang, voilà de l'adresse de loin pour l'un des meilleurs shooters du championnat. 10 secondes. Et ballon volé. Bryce Brown. Bien sûr, il va se stopper. À 2 mètres de la ligne. L'énorme fléchette. Bryce Brown. Passe à terre. Fin de passe. Oh oui, Courby. Et ça, si ça sent pas le basket à plein nez! Ça part avec le ballon Courby. Oh oui, ça avait joué la carotte là, Baudur Massa, qui était complètement seul. Et ça y est. Arl Roland. Ça chassant. Et avec ses deux fautes, il revient en jeu. Et qui tout de suite se montre avec un nouveau tir à 3 points. Enfin, le premier panier de Limoges et tout de suite la réponse dans un autre style avec ce alley-oop dunk conclu par Baudur Massa. Très loin Axel Julien, mais on sait que ça ne lui fait pas peur de prendre des shoots du bout du parking. Autant faire des stops défensifs pour revenir avant la mi-temps. Ouais, et là c'est compliqué en défense. C'est compliqué, Baudur Massa est instoppable, il est toujours bien placé, le timing parfait, les coupes sont au millimètre, les passes également. Allez, Chassang, là, il y a une jolie passe aussi, voilà. Ça peut leur donner des idées aussi au Limougeot. Allez, moins de 4 minutes à jouer Beaublanc avant la pause. Nikolic, la feinte, oh, il est passé en mode grand-père pour finir en dunkant. Parler sa taille face à Axel Julien. Oh, le beau shoot. Jaquan Lewis qui avait démarré le match et qui a joué 3-4 minutes dans le premier carton et c'est tout. Ah, ça l'a peut-être un petit peu piqué au vif de rester scotché sur le banc. Alors, sa meilleure gâchette, Nicolas Lang. 45-44 pour le CSP. Axel Julien. Ah, la jolie finition. Cabofort. Qui balance de très très loin. Oh, la fléchette qui fait mal. Oui, ça Appleby qui lâche son ballon après la fixation pour Lucas Beaufort. 55-47. De Benitez qui avait fait un bon passage en première mi-temps. Maxime Courby attrape le ballon. Balle à l'intérieur, porte était fermée, on ressort sur Benitez. Fait du bien, se tire à 3 points. Kolic. Tenté le backdoor, il n'est pas servi. La pression, il a perdu ce ballon. Et Benitez qui la joue collective.
pour le Dol de Zachary Rizaché. Et une égalité à 59 partout maintenant dans ce troisième carton. Ça lâche. Agosti, ballon dedans, Kenny Gones lève la tête. Il rend le ballon directement à Maxime Salash. Il peut galoper derrière. Et elle est marquée de points faciles. 6 points de suite pour Maxime Salash. La troisième place de finir sur le podium. 4 victoires et 2 défaites dans le même temps de l'Asvel. Ah bah Bryce Brown. Il va pas être malheureux celui-là. Hein. Alors on sait que c'est un sniper, honnêtement. Je suis pas sûr qu'il cherchait la planche sur le coup. Rizaché. A pris 4 fautes très rapidement. On va certainement le voir dans ce quatrième carton, mais à partir de quand on verra. Nenadic reprend 10 points d'avance. Massa, ça lâche. C'est le duo qui cartonne sur ce match pour Bourg-en-Bresse. 74-64. Les écrans, le système dessiné pour aller chercher le tir à 3 points, Tyree Appleby. Troisième shoot derrière l'arc ce soir pour Appleby. A laissé filer son avantage dans ce quatrième carton. Ouais, ça défend fort, ça défend dur, ça défend haut. Et Isaiah Mike qui a du jus parce qu'on l'a pas beaucoup vu sur le terrain ce soir. Quatrième, un peu petit là. Appleby, il est à 2 points seulement de son record en carrière. Et ben le voilà, record en carrière régalé pour Podium Massa avec ses 22 points. Terry Appleby. Appleby. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il vient de nous mettre là? Tyree Appleby, il va chercher le contact. Il est face à 2 joueurs. Il est impossible à mettre ce panier. Nicolas Lang. Est-ce qu'on va tenter le tir à 3 points sur cette possession? Oui, on est joueur. Avec Nikolic, c'est dedans. Égalité à 86 partout. Fin de match de folie à Beaublanc. Pour la jeu. Avec Hugo Benitez, un joueur au sol. Arbitre qui demande de laisser jouer Maxime Salash. Le mismatch, il est passé. Et 2 points pour Maxime Salash. Et là, c'est une offensive. Et ben voilà. Qui va peut-être sonner le glas. Ah, il n'est pas venu pour rigoler. Maxime Salash qui met les deux. Appleby. Qui shoot. Et qui finit au sol, c'est terminé. Limoges qui termine sa saison par une défaite. Le CSP qui restait sur 6 victoires à Beaublanc s'incline avec les honneurs face à une belle équipe de Bourg-en-Bresse qui était en mission